Salut à toutes et à tous, c'est Skyfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de transférer un compte WhatsApp de votre appareil Android vers votre appareil iOS. Nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti. Donc là, nous sommes actuellement sur le bureau. Donc l'objectif de cette vidéo sera de récupérer donc un compte WhatsApp pour le transférer d'un appareil à un autre. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc j'ai WhatsApp ici. Donc le but va être de récupérer donc la conversation pour la mettre sur mon appareil iOS. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il vous faudra vous rendre sur le site qui est en description. Donc il s'intitule iCafron Transfer. Donc il vous permettra de transférer votre compte WhatsApp d'un appareil à un autre, que ce soit iOS ou Android. Donc tout simplement, vous allez descendre, vous allez cliquer sur Essayer gratuit. Vous allez mettre votre fichier sur le bureau et vous allez cliquer sur Enregistrer. L'installation est terminée, vous allez pouvoir cliquer sur le fichier. Vous allez pouvoir réduire la page et vous allez cliquer sur Installer. L'installation peut prendre quelques instants, nous allons nous retrouver à la fin de l'installation. Donc voilà, l'installation est terminée. Pour ce faire, il vous faudra cliquer sur donc le service de votre choix, donc à savoir ici WhatsApp. Vous allez donc connecter vos deux appareils. Donc il vous suffira de cliquer sur transfert. Donc là vous allez devoir activer le mode débogage. Donc, vous allez aller sur votre appareil. Il vous suffira d'aller dans les paramètres. Vous allez aller sur numéro du build et vous allez cliquer plusieurs fois pour activer le mode développeur. Voilà, donc là vous faites retour. Vous allez aller dans options du développeur. Vous allez activer le mode débogage du mode. Okay. Donc là vous allez pouvoir cliquer sur la croix et vous allez recliquer sur transfert. Et là vous allez cliquer sur OK. Vous allez cliquer sur continuer. Donc là, vous allez devoir créer une nouvelle sauvegarde manuellement. En allant donc sur WhatsApp, vous allez cliquer sur ça, donc dans paramètres. Vous allez aller dans discussion. Et vous allez aller sur sauvegarde de discussion. Vous allez sauvegarder. La sauvegarde a été vérifiée. Donc là, vous allez cliquer sur choisir une ancienne sauvegarde. Tac. Et vous allez cliquer sur continuer. Vous allez pouvoir faire retour. Donc, retour. Donc là vous allez devoir attendre un petit moment. Donc là vous allez mettre le numéro de téléphone de votre compte WhatsApp et vous allez cliquer sur vérifier. Vous allez ensuite recevoir un code. Donc là vous allez devoir suivre l'étape. Vous allez vous rendre dans les paramètres. Vous allez cliquer sur votre utilisateur, localiser, localiser mon iPhone et vous allez désactiver le mode localisé. Donc là vous allez mettre votre mot de passe. Et vous allez cliquer sur essayer. Donc là la restauration est en train d'être effectuée. Voilà, le transfert a été terminé donc entre les deux. Votre appareil iOS va être redémarré.
Donc là, une fois de retour sur le menu, vous allez cliquer sur WhatsApp. Et là, vous allez faire oui. Vous allez mettre votre code. Accepter et continuer. Vous allez remettre votre numéro de téléphone. Terminé. Et là, vous allez pouvoir voir que vous avez reçu donc votre. Et là, vous allez pouvoir voir que votre compte s'est synchronisé avec votre appareil iOS. Donc, le compte de l'appareil numéro 1 à l'appareil numéro 2 a été transféré. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description. C'était Skypo. Bye bye.